Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu le défi pour avoir la bannière des 10 000 survivants à sauver en mode sauver le monde. Du coup, attendez, vous allez bien voir. J'ai juste mis en épingle la quête. Je vais vous montrer. Vous êtes dans le défi. Essayez le défi Ange Gardien, sauver des survivants au cours de mission réussie. Il en faut sauver 10 000, j'en suis à 9 999 survivants. Dans quelques instants, je serai à 1000 survivants. C'est parti. Alors, ici, comme d'habitude, on va construire. Et aussi une petite technique. Hop. Désolé. J'ai lancé une mission à bord de la vallée. Le drone a subi des dégâts. Les carcasses ne doivent pas détruire le drone. Allez sur le lieu du crash. C'est parti, dans quelques instants, on va pouvoir assister à la fin de la quête des 10 000 survivants sauvés. L'emplacement de la trousse de soins est marqué sur votre carte. Wow. Là, on va lui parler. On va aller sur quête. Et vous voyez que c'est à 100% maintenant. Continue. J'ai accompli ma quête. On se retrouve à la fin de la mission pour vous montrer la récompense que donne cette mission, plus la bannière. Plutôt la bannière qu'un cadeau du défi. Allez, à tout de suite. On se retrouve à la fin de la mission pour vous montrer la bannière de sauver 10 000 survivants dans des missions réussies. Parti, on ouvre. Là, on s'en fout. Voilà, Ange Gardien. Voilà à quoi la bannière ressemble. Une nouvelle bannière pour votre base. Retrouvez-la dans l'éditeur de bannière. La bannière, c'est celle-ci. Sauver 10 000 survivants au cours de missions réussies. Moi, je la trouve magnifique. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était pour vous montrer la bannière plus le défi des 10 000 survivants. Des 10 000 survivants à sauver dans les missions réussies. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour plus de vidéos. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.